Mon nom, c'est Jean-Martin Fortier. J'opère une micro-ferme dans Brome-Séquia à Saint-Armand, les Jardins de la Grelinette. On cultive des légumes biologiques diversifiés. Puis on fait ça maintenant depuis 7 ans sur le site actuel. Et on fait des paniers bio sur Montréal. On fait un marché fermier au lac Brome. Puis on fait deux autres marchés fermiers là, dans la région aussi de Montréal sur d'autres jours. Moi, ce que je sais, c'est que les gens, ils veulent avoir des produits frais, ils veulent avoir des produits locaux, puis ils veulent rencontrer les personnes qui font ces produits-là. Ouais, notre modèle d'affaires, il était particulier. Ouais, c'était l'idée de s'établir sur une petite surface, puis d'intensifier une production. Donc, nous, encore aujourd'hui, on n'a pas de tracteur. 10 ans plus tard, on travaille encore avec des outils manuels. Vraiment, c'est même une des clés de notre succès. Nous, on a démarré avec peu d'investissement, avec l'aide du CLD, avec l'aide de la financière agricole qui a réussi à combler le gros de nos besoins en investissement. Sur une surface de moins d'un hectare, la quantité de légumes qu'on réussit à sortir, c'est assez pour faire vivre notre famille à l'année longue. On n'a pas d'autres revenus, plus un employé. Fait que c'est quand même, c'est ça, c'est un modèle innovant un peu. Toutes ces techniques-là, ce modèle-là, cette vision-là, je l'ai bien décrit dans un livre, Le jardinier maraîcher, qui est publié chez Éco-Société, puis dans lequel je donne finalement tous les trucs, les techniques de maraîchage que nous, on a développé ici. Puis mon idée avec ce partage-là, c'est vraiment d'outiller d'autres gens à démarrer des projets agricoles. Puis, finalement, en fait, tout le réseautage qui se passe en ce moment dans Brome-Séquia pour aider les gens à démarrer des projets agricoles ou des projets tout point, c'est quand même quelque chose de bien, là. La région, elle a la particularité d'avoir quand même beaucoup de forêts, puis d'avoir du relief, d'être proche de Montréal, puis aussi de ne pas avoir de moustiques.